j'ai choisi un bac pro SEN suite à un rendez-vous avec ma conseillère d'orientation au collège Beaumanoir de Ploermel. J'ai été faire de la porte ouverte, plus un mini-stage au sein de la section. Et après, j'ai postulé, ils m'ont accepté. Ensuite, j'ai réalisé un BTS système numérique à Vannes, au lycée Le Sage. Et enfin, une licence professionnelle ingénierie et maintenance des systèmes automatisés à Lorient, à l'UT. Dans mon parcours d'orientation, j'ai beaucoup douté. J'ai douté surtout entre mon bac professionnel et mon BTS, et un peu moins sur mon BTS et ma licence quand j'étais un peu plus âgé, donc un peu plus sûr de moi. Pour choisir mon BTS et ma licence, pour mon BTS, j'ai plus recherché tout seul. J'ai fait beaucoup de recherches sur Internet, au NICEP, et j'en ai parlé beaucoup à mes professeurs avec qui je m'entendais bien. Et m'ont orienté sur certaines formations qu'ils connaissaient et qui pourraient m'intéresser suite au bac que j'ai fait. Et pour la licence, j'y vais deux fois, soit une licence en ingénierie biomédicale, ou alors la licence ingénierie et maintenance système automatisé avec plus d'automatisme, plus de robotique, et donc ce qui m'a plu le plus en fait.